Ça me fait plaisir que Patrick Balkany, vous soyez là. Merci d'être avec nous. C'était vraiment deux minutes. J'ai esquissé quelques pas de danse pour montrer que j'étais peut-être encore debout. Mais alors tout le monde a dit, évidemment, il est en pleine forme, il a qu'à aller au trou. Je trouve que c'est tellement révélateur de notre époque parce qu'au fond, le sous-texte, c'est que les gens vous disent « faut que vous soyez en prison, vous n'avez pas le droit de danser dans la rue ». C'est ça le sous-texte. Donc vous avez été condamné, ils vous ont, à juste titre, ou pas d'ailleurs, c'est pas moi de le lire, vous avez été condamné, vous avez, les amendes ont été extrêmement fortes, vous avez été dégradé, humilié, de ça. En gros, vous sortez d'une séquence depuis le mois de septembre qui est pas favorable, on va le dire comme ça. Mais faut en plus, c'est ça qui m'a intéressé dans la violence du moment, dans une forme de oui, je ne sais pas comment dire, de rancœur, de méchanceté absolument terrible. Il faut vraiment que vous mouriez. C'est intéressant parce que les réseaux sociaux, évidemment, les gens qui s'expriment dans les réseaux sociaux ont toujours existé, par définition. Oui. Alors, mais on ne les entendait pas, jadis. Ce qui me rassure, c'est qu'ils ne sont jamais de Levallois, ils sont toujours de Pétaouchnok, on ne les connaît pas, ils sont très loin. Ils ont en plus des noms qui ne sont pas les leurs. Ouais, c'est des pseudos. Vraiment, c'est des pseudos. Ils ont des belles têtes de black bloc, souvent. C'est assez risible quand on voit d'où ça vient. Je connais un peu les justices et je n'y avais jamais vu. Et c'est à la fois parce qu'on est en matière de délinquance financière et c'est parce que c'est M. Balkany. Je n'ai jamais vu dans ce type de dossier que quelqu'un qui avait interjeté appel, je l'ai dit mille fois, vous le savez bien. Je sais, je quelqu'un vous qui a interjeté appel, dont il n'était pas question de penser qu'il allait prendre la fuite, qui était donc présumé innocent, soit mis en prison en violation de cette présomption d'innocence. Et on lui avait tout pris. Alors qu'on lui avait tout pris, le pauvre, il ne pouvait pas verser de caution. Ce n'était pas possible. On l'a laissé quand même en taule. Alors je peux dire très sincèrement que la rigueur d'État s'est particulièrement exercé contre M. Balkany, qui a formé un pourvoi en cassation et qui, aujourd'hui, juridiquement, c'est l'avocat qui parle, il est toujours innocent. Hein. Il a formé un pourvoi en cassation. C'est comme ça, il est présumé innocent, peu importe ce qu'il arrivera. Donc moi, je vous dis franchement, ce qu'on dit, ce qu'on peut dire, les crétins, et il s'en fout lui-même. Mais par contre, le sort qui lui a été réservé, et qui peut encore être réservé à d'autres, pour délit de sale gueule, eh bien ça, je ne l'accepte pas, ni en tant qu'avocat, ni en tant que citoyen. Patrick Balkany était avec nous ce soir. Je le remercie. Moi aussi. Ben non, mais je sais que vous nous écoutez régulièrement. Oui, je vous regarde. Ça prouve son bon goût. Je vous regarde beaucoup. Je dois dire que vous avez été, pour moi, un grand soutien lorsque j'étais incarcéré, puisque nous avions la télévision, et au moins j'avais le plaisir de vous voir matin et soir, comme de toute manière, en cellule, vous n'avez rien d'autre à faire à part regarder la télévision et lire. Bah, vous étiez d'un grand secours. J'imagine pas que moi, d'autres également, j'imagine que vous écoutiez. Par cœur. Voilà.